Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'émission, c'est bien Canal Sport. Elle dure 52 minutes au menu du football avec les rencontres de la deuxième journée de la phase retour de la Vitalor en Ligue 1. La dernière s'est disputée cet après-midi. C'était bien du côté de Missirété. Les Dragons ont été contre nul par Usaïe Football Club. Un but partout, mais retenez que depuis hier, bien entendu, il y a des matchs qui ont été disputés le nul. Au passage, du côté du stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou, des Buffles qui jouaient contre la jeunesse athlétique de Cotonou. Les deux formations se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. On reviendra sur le match nul qui s'est disputé le samedi dernier du côté de l'université d'Abomey-Clavi et bien entendu on vous proposera des résultats tout au complet des matchs qui ont été disputés comme temps. Donc pour la deuxième journée de la phase retour de la Vitalor Ligue 1, Vitalor Ligue 2, et bien retour sur les stades, c'était bien sûr un week-end. On va prendre des nouvelles du match entre Entente FC de Kandy et puis AS Cotonou. Retenez que ce sont les locaux qui sont imposés par le score de 3 buts à 2. On va analyser les résultats de ces différentes rencontres au cours de cette émission avec Ambroise Insou, déjà bien installé dans ce studio. Ambroise, bien bonsoir, bienvenue. Bonsoir Akimé, chers amis téléspectateurs, bonsoir, merci de prendre ce rendez-vous avec nous. Il ne s'agira pas seulement de football. Au menu de cette émission sportive, on parlera, on parlera basketball avec la Super League qui est à sa quatrième journée. Et puis nous aurons deux invités dans ce studio. Le tout premier, Julien Minavoa, c'est bien lui le patron du Comité National Olympique et Sportif du Bénin. Avec lui, on fera, on lèvera le coin de voile sur la session de restitution, sur les grandes tendances issues des travaux de jury. Qui nous permet d'avoir, une identité de la santé des fédérations sportives béninoises. Et puis un jeune footballeur qui nous vient directement du Brésil, qui est en congé en ce moment, on va le découvrir. Il annonce Sylvanus Runfodi. Et bien, ce sont, comme vous le constatez, les différents axes de cette émission sportive ambroise. On va démarrer avec du football et direction le stade René Pleven d'Akpakpa. C'était bien sûr à dimanche. Les Buffles jouaient l'agence athlétique de Cotonou. Et bien, le match s'est soldé par le score de Vierge de 0 but partout. C'est le constat qu'on a eu. Les Buffles qui alignent déjà 3 victoires n'ont pas pu enchaîner une quatrième parce que la Jacques était présente. Et on a constaté. Une Jacques aussi, je dirais, en difficulté. Hein? Oui, bon, une Jacques très en difficulté parce qu'on avait vu cette équipe lors des premières journées vraiment en tête du classement. On ne sait pas ce qui se passe et depuis plusieurs journées, l'équipe ne gagne plus. Donc l'équipe qui doit être actuellement 16e. Hein? Dans le ventre mou du classement. Dans qui joue carrément le maintien cette fois-ci. Les ambitions étaient arrivées à la baisse. Les ambitions. Qui est 14e? Oui, 14e parce qu'il y a les deux autres qui tiennent la lanterne rouge au niveau de la classe. Donc, moi, je trouve que l'équipe de la Jacques a un peu de difficultés. On attend pour voir pour les autres rencontres ce que ça sera peut donner. En attendant, je dirais d'avoir une idée de ce que ça donnera les images prochaines des prestations de l'agence athlétique de Cotonou. On va faire le point en images et en commentaires de cette rencontre avec Ali Moumouni. Après 3 succès d'affilée, les Buffles du Borogo sont ralentis dans leur élan pour la première place. Dimanche au stade René Pleven de Cotonou 2, l'équipe championne en titre du Bénin n'a pas pu s'imposer à son adversaire de la 17e journée de la Vitalor Ligue 1. La jeunesse athlétique de Cotonou, qui joue le maintien, a su quant à elle éviter une défaite à domicile. L'issue de la rencontre se dessinait déjà dès le premier quart d'heure, puisqu'aucune des deux équipes n'a réussi à se créer d'occasion de but. Comme indice, il y a aussi le manque de pressing, en tout cas pas au-dessus des 60 km/h. À la 28e minute, c'est d'abord la Jacques qui sème la panique dans le camp de ses hôtes. Ensuite, Buffles réplique dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Du retour des vestiaires, les deux équipes présentent le même visage que lors du premier tacte. À la 80e minute, les Buffles du Borogo vont presser, mais le geste qui suit ce centre de Florentin Gbemaito ne va rien donner. Dans les arrêts de jeu, Jacques s'offre une occasion, mais elle ne sera pas concrétisée. Idem pour les Paraguas qui passent à côté de leur dernière chance. 0 but partout et les Buffles FC sont tenus en échec par la jeunesse athlétique de Cotonou. Voilà, rencontre soldée Ambroise par le score nul et vierge de 0 but partout. Impression des deux entraîneurs de ces deux formations. C'est bien Visitouré et Aoubakar Dandano qu'on entendra. Ils sont tous au micro d'Ali Moumouni. Ça a été toujours de très bons matchs entre les Buffles et la Jacques. Bref, vous avez su
voir un bon match, j'espère bien, qui vous a plu. Ou peut-être que vous êtes resté sous votre faim parce qu'il n'y a pas eu de but. Contrairement à ce qui était prévu, que de faire l'effort de gagner ce match et d'avancer dans le classement. Bon, mais on s'en tient à cela parce que les Buffles sont les champions en titre. Du coup, ils vont vouloir défendre leur titre. Nous, on ne se décourage pas parce que nous, on joue le maintien. On va essayer de tenir la tête haute, de gratter les points, histoire d'avoir le point nécessaire pour se maintenir. Oui, ça arrive, il y a des moments, le championnat, et vous savez, on dit que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc il y a des moments où ils vont pêcher, ça c'est clair. Et surtout, vous avez vu aujourd'hui, on a dominé, on a amené des balles, mais quand même, il n'y avait pas de but. Ça arrive des moments. J'ai pris un point en déplacement, c'est quand même mieux que zéro. Sinon, c'est vrai, nous sommes venus dans l'intention de prendre les 3 points. Et malheureusement, Dieu a fait ainsi, donc nous acceptons comme ça. Parce qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Donc, nous pensons encore aller toujours dans la même lancée de défendre notre titre de champion. Voilà, Aoubakar Dandano, c'est bien l'entraîneur des Buffles FC du Borgo qui ont été contraints au nul par rapport, je dirais, à leur carrure et par rapport donc à leur carte de visite. C'est donc une contre-performance pour les Buffers du Borgo qui étaient donc en déplacement pour affronter l'agence athlétique de Cotonou. Autre résultat sur bien d'autres images à nous proposer par la régie technique. En bois, c'était bien le samedi dernier du côté du synthétique de l'université d'Abomey Calavi. Dynamo de Parakou jouait contre Énergie de la SBE2E. Énergie était aussi sur une belle dynamique en bois, mais aussi stoppée à l'occasion de cette deuxième journée de la phase retour par les conducteurs de l'UNACOP de Parakou. La rencontre s'est soldée par le score d'un but partout. Ce sont les jaunes de l'UNACOP qui étaient à l'ouverture en Boisinsou du score. Oui, une ouverture du score est tellement spectaculaire parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre le gardien Ludovic Allah et son défenseur. Il n'y avait pas eu, la communication ne passait pas, donc le gardien qui voulait aller chercher le ballon que le défenseur a laissé a simplement loupé et l'attaquant a repris dans les filets. Donc c'était un but que Dynamo avait mis pour déstabiliser le système, l'engagement et déjà mis en place par le coach Mathias Deguenon. On a compris qu'après ce but, Dynamo est resté solide jusqu'à la pause. Mais de retour de la pause, on a senti une équipe de Dynamo qui était un peu en dedans. Parce que est-ce que la formation était en dedans où elle jouait la montre? Parce que c'est un peu ce à quoi nous sommes un peu habitués depuis quelques jours avec malheureusement, ça joue, première, ça joue. Notamment les clubs de première division. Et malheureusement, ça joue contre les clubs. Parce que si Dynamo était resté et très engagé et ne jouait pas à la montre, je pense que Dynamo pouvait avoir un hold-up parfait sur ce match-là. Donc le simple fait de rester derrière, de vouloir défendre et de procéder par des actions de contre, ça a fait que les autres ont pu installer maintenant leur rythme. Ils ont installé un rouleau compresseur et en milieu de terrain, ils ont densifié. Et on a vu qu'à un moment donné, carrément, c'est attaque-défense du côté de Énergie et on défend plus maintenant de côté de Dynamo. Et à la fin il y a eu ce but égalisateur. Après et par la suite aussi il y a eu des anti-jeux qui ont été repérés par la caméra d'Ali Momouni parce que je crois que ça a été à la base du fait que Dynamo a fini la rencontre à 9 finalement pour parce que quand ils ont commencé la rencontre il y a eu déjà trop de cartons et moi, je me disais, ce match-là doit se terminer par des rouges, puisqu'il y a tellement d'engagement des anti-jeux, franchement, pas compréhensibles. Oui, d'abord, mon cher ami de Dynamo de l'UNACOP récupère le ballon, mais dans la foulée, c'est qu'il se fait, je dirais quoi, il joue avec Séné, alors qu'il était déjà sous le coup d'un carton jaune. Il en prend un second. Et c'est le premier, d'ailleurs, qui a pris le carton jaune du match. Du match. Donc, déjà, quand il avait on jouait la 12e minute. Et je disais aux gens, vraiment, le gars là, il n'est pas sûr de finir le match. Parce qu'il est rugueux dans son marquage. Et c'est vrai, le football, c'est un jeu de contact. Et même quand il prend le carton, vous voyez, je crois que je me rends compte là qu'il est en train d'invectiver. Oui, alors qu'il aurait pu simplement gagner les vestiaires. Je pense qu'il y a ce travail comportemental qu'on doit faire au niveau de nos joueurs. Puisque le football, l'autre a même dit, my game is fair play. Exactement. La FIFA dit, mon jeu là, c'est le fair play. Et lorsque vous êtes footballeur,
vous devez avoir de vertu à donner. Il y a, une bonne la image à projeter. La vertu ne pas souvent avec, avec les preuves de nerfs. Oui, bon, franchement, ce que, malheureusement, on doit le faire parce que il a écopé du carton. Si dans le rapport, on met tout le ça. Le carton rouge, le second, je dirais, adressé à cette formation de Dynamo de l'INACOP, c'est ce joueur qui devait normalement, je crois, se faire remplacer et qui prend tout son temps, alors même que lui-même avait déjà eu un carton jaune. Dans la foulée, c'est que l'Européen un carton rouge. Ce que je n'aimais pas apprécier au niveau du joueur, il était proche de l'autre ligne. Et dès qu'il a senti qu'il y aurait le changement, il a couru vers le centre, vers l'arbitre. Et quand il a su que c'est lui qu'on veut maintenant faire sortir, et l'arbitre arrête le match, voilà, il prend tout son temps. Il fait... Bon, je pense que nos entraîneurs ont encore un autre rôle à jouer parce qu'on n'a pas de... Et lui également, il prend un carton rouge et au lieu de se diriger vers le vestiaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de vestiaire à l'Université d'Amour. Bon, à l'Université d'Amour, on se retire quand même de l'effectif qui est censé... C'est un piège à hommes là-bas. D'accord. Ça, c'est un débat qu'on fera avec le temps. De toutes les façons, il y a le nul donc entre Énergie de la SBE2 et puis Dynamo 2 en l'INACOP. C'était donc pour le compte de cette deuxième journée de la phase retour de la Vitalor Ligue 1. Tout au complet, les résultats, les rencontres disputé donc courant vendredi, samedi et puis la dernière donc ce dimanche, un but partout, c'était bien la rencontre en clôture de cette 17e journée, c'était à Misserete. Les Dragons jouaient contre Isaïe FC, les deux formations se sont séparées sur le score nul, d'un but partout. Les Dragons étaient à l'ouverture du score et c'est dans les ultimes instants de cette affiche que Isaïe a bénéficié d'un pénalty transformé et donc partage des points entre Dragons et puis Isaïe. L'USS Kraké jouait au Stadium Saint-Louis de Kraké contre AS Tonnerre de Boycon, le club du peuple a engrangé le point du nul après la victoire du côté de l'Université d'Abomey-Calavi. Exactement. Donc je crois que c'est tout à fait. 4 points en 2 rencontres, c'est intéressant pour AS Tonnerre. La SPAC, visiblement. A trouvé la clé de route. Tout à fait. La SPAC, visiblement, a des actifs, a des joueurs, mais ce n'est pas encore, je dirais, la vraie grosse osmose au niveau donc, de cette équipe. À SPAC, UPNM, Amboise se sont séparés dos à dos, un but partout. Il y a eu un début inédit. Tout à fait. Il y a eu également le nul entre la GSP et puis Béquet, un nul sans but. Maintenant, il y a eu le carton. C'était bien ce dimanche du côté de Misserete-Amboise entre Ayema et puis les Panthères de Djougou qui n'ont pas su, je dirais, profiter de leur temps fort. Malheureusement, eh bien, c'est Ayema qui était en face et Ayema s'est baladé devant les Panthères. À l'arrivée, le score Amboise était de 4-1. Ayema avait bouffé du Panthère. Ah ouais. Et ça faisait 4. Ils ont bu le calice jusqu'à la ligue. C'est aussi l'autre aspect du football. Lorsque vous êtes dans votre temps fort et que vous ne marquez pas, et quand ça va couler, ça coule difficilement. Ayema était très réaliste. Et Ayema, moi, j'ai eu quand même la chance de voir l'équipe jouer. Oui. C'est une équipe très généreuse dans l'effort, une équipe joueuse. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde marque dans cette formation. Oui, tout le monde marque parce que dès que si vous voyez comment le rouleau compresseur ça tourne, et je dis, même dans les grandes équipes, les défenseurs aussi marquent, sauf les gardiens, bon, pas au moment, mais les gardiens aussi sont des passeurs décisifs. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de l'équipe, ça joue vraiment bien. Et il y a de la cohésion, il y a de la solidité, il y a de la complémentarité. Et lorsque vous voyez, c'est un effectif qui est resté en place pendant 4 ans. Il n'y a pas que de trucs. Donc, c'est pour dire que lorsque vous travaillez sur la durée, vous aurez les résultats au bout du rouleau. Donc, c'est pour dire aux gens de ne pas être pressés, au président qui limoge les entraîneurs, tout va bien. Bon. Ambroise, malheureusement, vous n'êtes pas président, les présidents ont bien des résultats. Et pour l'heure, quand ils n'ont pas les résultats, il faut remercier. Donc, c'est pour le moment, la solution trouvée par les présidents de fédération, ils auront le temps de faire le bilan pour savoir si c'est la trop bonne facile solution de se jeter à bras raccourcis sur Ayema, Ambroise, désormais, est toujours leader de la Vitalor Ligue 1, suivi des Buffles FC du Borgou. Isaïe a désormais 29 points, un autre troisième plutôt, avec 29 points, puisqu'il y a le nul de cet après-midi. Les Dragons ont 26 points et sont 4e. Énergie, 23 points pour être 5e. Les Panthères de Djougou ont 22 points et sont donc 6e. Aspac, Asvou, Estonner, totalise 21 points chacun. Béké de Bimbiri qui a 20 points. Et puis, dans la seconde partie de ce classement, on retrouve Real Sport qui a réalisé un véritable hold-up. Hein. C'était bien ce week-end en battant Asvou par le score de 2-0. Dans la foulée, c'est mon très cher ami Chitoura
Chad qui a déposé bagage, qui a donc pris congé désormais de Real et de Asvo, de l'autre cher président Marcelin Bokové, qui a engagé dans la foulée un nouvel entraîneur, l'ex des Buffles FC du Borgo. C'est lui qui a été donc appelé pour conduire désormais la BAC. C'est au niveau donc. Quand quelqu'un de, laisse. Ah bon, oui, je vous Buffles a laissé Azoa. Comme ça, vivement que les résultats. Comme Dragon aussi avait laissé en son temps et que Buffles a retrouvé. De toutes les façons, sur le terrain, on verra si entre temps ce sera la bonne pour mon cher ami, nouvel entraîneur de Asvo. Dynamo, une accord de Parakou à 20 points. La GSP à 20 points, la JAC à 18 points. Les mauvais élèves vont en ce moment, l'USS craqué et puis ONM. Je veux bien espérer que eh bien, le président Magoula Roque trouve la solution à ce qui ne va pas en ce moment au niveau donc, de l'USS craqué, puisque l'USS craqué nous a aussi habitués à jouer quand même les premiers rôles. Quoique ne se retrouvant pas premier, mais eh bien, c'était beaucoup plus entre la 4e, la 5e, la 6e place, même pas, je dirais, la 15e place en ce moment au niveau de la Vitalor Ligue 1. Vivement que l'USS craqué quitte cette position. Oui, l'USS craqué a quand même un centre de formation de jeunes, un centre qui fait un travail très intéressant. Je crois que ça fait partie, je dirais, des séquences à traverser par le club. Véritablement que le président Magoula Roque trouve des solutions à ce qui ne va pas en ce moment au niveau de cette formation. Direction la Ligue 2, on en parle, puisque eh bien, les clubs sont revenus sur les aires de jeu ce week-end après le Mercato Amboise. Et au niveau de la Ligue 2, hein, ça marque beaucoup de buts, c'est prolifique au niveau donc, de cette division de football professionnel. Dynamo d'Abomey jouait à Zakpota, à Dija. La rencontre s'est soldée par le score de 2-0. Malheureusement, qu'ici, Frotte Sipik n'a pas été le cas avec Dynamo d'Abomey. Hodio et Asso se sont séparés dos à dos. C'est au but partout. Estado a réalisé, je dirais, l'espoir. Oui, tout à fait. Hodio, tout à fait. En venant battre René Pleven, éternel, par le score d'un but à zéro. Avrancourt s'est fait battre par les Requins de l'Atlantique, 2-0. Zazira a été battu à domicile par Dynamique de Djougou, 1-0. Et puis ce dimanche, Dadié et puis Taneka se sont séparés dos à dos. Un but partout pendant ce temps. À Tchaourou, Cavalier a pris le dessus sur Soleil de Cotonou, 3-1. Il y a le 3-2 entre Entente FC de Kandi, les Takounais qui jouaient à Escotonou. C'est une revanche qui a été bien prise par Entente de Kandi, puisque lors de la première journée de la phase aller, c'était ici à Cotonou. Eh bien, Escotonou a battu Entente FC de Kandi. Et donc, cette fois-ci, on se rend compte que, eh bien, tout à fait. Les protégés du président Hadj Labi Amadou Djibril ont pris le dessus sur Entente FC de Kandi avec, je dirais, le premier but sous les couleurs d'Entente FC de Kandi pour le compte de cette seconde partie de Malik, qui nous vient directement des Buffles FC du Borgou. Il a été donc prêté à la formation d'Entente FC de Kandi et l'a fait parler de lui, puisque pour une première rencontre disputée, il a déjà ouvert, je dirais, son compteur de buts. Le second but a été marqué par l'artificier de la formation d'Entente FC de Kandi, c'est bien Yahya et Baparapé. Et puis enfin, il y a eu un troisième but marqué par Nicodème. C'était un coaching gagnant pour Malik Abdoul, bien entendu. Et donc, à l'arrivée, il y a donc le 3-2 entre Entente FC de Kandi et puis AS Cotonou. L'autre rencontre, la dernière que je vous propose en termes de résultats, et là, vous me direz pas, Amboise, ce que, eh bien, c'est Ayema seul qui s'est baladé. Cette fois-ci, le score, c'était un set de tennis. La rencontre, c'était du côté du stade Paulin Thomas Naga de Boyicon. Espoir de Savalou jouait à Espolis. Et le match, Amboise, s'est soldé par le score sans appel. De 7-1, je disais ce matin que les policiers républicains ont été malmenés, ont bu le calice jusqu'à la Ligue. Alors même que les quatre dernières journées de la phase allaient donner l'impression qu'il y avait comme un retour à la normale au niveau de cette formation. Malheureusement, on a l'impression que les démons sont revenus et que les jeunes portes ouvertes ont repris avec S-Police. Je ne dirais pas qui devrait aussi changer de nom au terme de l'Assemblée générale. Il devrait aussi changer de nom parce que pour être devenir police républicaine football club. Et avec un président, le capitaine Franck Bien. Mais dans la foulée, nous apprenons, il y a eu, je dirais, des intercessions. On a annoncé une sorte de crise au niveau donc de l'ex-police. Les nouveaux patrons n'ont pas pris encore possession des lieux. Et donc, les résultats sur le terrain donnent ce que nous avons là.
je ne dirais pas que c'est la promotion... C'est quand même des républicains policiers, là. Il ne faut pas honorer la République. Hein. Non, je ne dirais pas que nos amis roulés à droite ont repris avec la promotion. Mais ce qui ça, se fait, ça ce qui, les, ce qu'on constate, juste, c'est juste malheureux ce qui se passe au niveau de l'Est Police. Moi, je dis franchement, si on ne peut pas aider les gens, qu'on les laisse à leur place. Parce qu'on ne peut pas avoir un bureau qui fait 10 ans dans l'illégalité. Dès que les gens ont voulu prendre les choses en main, les gens ont voulu prendre leurs responsabilités, on a senti une métamorphose au niveau de l'équipe. Il fallait parachever le changement pour que l'équipe quand même renaisse de ses cendres. Parce que, n'oublions pas, l'Est Police a quitté la première division pour la deuxième division. Pour abandon de compétition. Et occupait en deuxième division la dernière place au classement. Donc, ce n'était pas quand même élogieux pour un club de la police républicaine. Tout au moins, il y a l'image du pays qu'on voit. Malheureusement, pour l'instant, l'image du pays n'est pas malheureusement, encore... les vieux démons ont fait leur retour. Et voilà les conséquences. Au classement, pour l'instant, on retiendra que ce sont les cavaliers de Nikki qui sont leaders. Avec 34 points, un seul point sépare le leader, je dirais, des Dauphins, puisqu'ils sont désormais deux. C'est bien Espoir de Savalou, avec 33 points. 33 points pour Entente FC de Kandé, qui fait son petit blanc de chemin, qui nous vient directement en bois, de la Ligue 3, amateur, c'était bien la saison dernière. Est-ce que c'est la révélation, d'ailleurs. Tout à fait, pour le moment. C'est pas facile de jouer parmi ces cadors. Tout à fait. Ils sont très exigeants en termes, je dirais, d'ambition au niveau donc, de cette formation d'Entente FC de Kandé. 31 points pour Est-ce que autant pour Dynamo d'Abomey, 30 pour Dadji FC, 30 points pour les Requins de l'Atlantique, qui sont aussi en train de faire, je dirais, un bon considérable. 26 points pour Taneka, 24 pour Adidja, 10e à Estado. Dans la seconde partie du classement, on retrouve à Vrancou, Omnisport, Zazira de Paracou Éternel, l'autre club promu qui a 19 points, donc 13e, Assos de Porte-Novo, Rodio à 15e avec 18 points, Dynamique de Djougou remonte un tout petit peu avec 18 points et est donc 16e. Les mauvais élèves en ont ici. AS Police et le soleil qui refuse de briller reste donc dernier au niveau donc de la Vitalor Ligue 2. Ça me permet de faire constater que lorsqu'on a disputé Amboise, la Ligue 1 et qu'on sort donc champion, c'est qu'on représente donc le Bénin pour la Ligue africaine des champions. Et quand on sera deuxième cette fois-ci, on jouera donc la Coupe de la Confédération. Exactement, ça me permet Amboise de faire un tour sur le continent pour rapidement proposer aux amis téléspectateurs, je dirais, les résultats des rencontres disputées ce week-end, hein, pour le compte, je dirais, des compétitions africaines. Exactement. On va commencer par la Coupe, non, pas la Champions League, ou la Coupe de la Confédération. Choisissons d'aller avec la Coupe de la Confédération Amboise. Il faut faire constater que Zanaco Amboise a joué Pyramide, il y a eu le 3 buts à 0. Enyimba au Royal, c'est d'ailleurs les images que nous propose la régie technique, la rencontre SSOD Amboise, par le score nul d'un but partout. Ouais. Un but partout entre Oroya et Enyimba. Et on a constaté Oroya a commencé par s'annoncer dans cette compétition. Et c'est bon pour eux. Ce serait quand même le charme qu'on aura du côté de la Guinée. Et si on pouvait quand même faire les choses dans les normes, ici c'est chez nous, on pourra quand même savourer aussi ces gens de sensations. Et parlant justement, je dirais, de la Guinée-Conakry, on va constater que nous avons aussi des jeunes ont pris quartier du côté donc de ces pays-là. J'en donnerai pour preuve un certain Sabi Mekiri Dayane, qui est du côté de la Guinée-Équatoriale. Il fait partie des jeunes de la première promotion du côté du Brésil. Et justement, parlant du Brésil, je reviens dans un tout petit instant. Sylvanus Hunfordi me dira un peu comment ça se passe, la vie d'un footballeur du côté du Brésil, puisqu'il y est depuis 5 ans. Elle est en ce moment en congé. C'est un attaquant, je dirais, poste de prédilection. Il me dirait un peu comment ça se passe du côté donc, du Brésil. Almasr a joué la Renaissance sportive Berkane. Les deux formations sont séparées sur le score nul de 2 buts partout. Et puis, il y a eu le 5-0 entre Hassania et Agadir et puis Al-Nasr de Benghazi Amboise. Oui, Al-Nasr de Benghazi qui ne brille plus depuis un certain moment. Le club est en train de broyer du noir, parce que je me dis, est-ce que la crise politique au niveau de la Libye n'est pas pour quelque chose. Parce qu'on connaît ce club qui est quand même un club d'abord qui a les moyens et qui smash pratiquement les adversaires lors de cette compétition. Malheureusement, on constate que depuis 2 ans,
le club est en train de tâtonner, ça ne démarre pas toujours. Et c'est la disette. Ah, c'est la disette, voilà. En bas d'une soirée, en gros, hein, je dirais un peu, c'est ce qu'on peut mettre sous la dent en termes d'actualité sportive, non seulement au Bénin, mais également sur le continent africain. Ça me permettra dans un instant, juste après vous, d'installer notre jeune footballeur qui nous vient donc du Brésil, Sylvanus Onufodi. Oui. Et pendant qu'il va s'installer, il va poursuivre avec les résultats des rencontres disputées ce week-end, toujours sur le continent africain, comme tant pour la Champions League. Le Zamalek a joué l'Espérance sportive de Tunis. Deux équipes se sont séparées sur le score de 3-1 en faveur donc du Zamalek. Et d'ailleurs, les images nous sont proposées par la régie technique. Ce match, ce ne sont donc pas 4 buts marqués, 3 donc pour le Zamalek. Un seul but marqué par l'Espérance sportive de Tunis. Il y a eu également, à l'occasion donc, je dirais, de ces quarts de finale, l'aller, le match entre le Raja Casablanca et puis le tout-puissant Mazembe. Les deux formations sont séparées sur le score de 2-0. Et puis le samedi, bien entendu, il y a eu aussi deux matchs disputés comme temps pour donc les quarts de finale. Alali a joué donc les Mamelodi Sundowns. Le match s'est soldé par le score de 2-0. Score identique entre le Wydad Athletic Club et puis l'Étoile Sportive du Sahel, 2-0. En gros, comme vous le constatez sur vos petits écrans, il y a donc le 2-0 entre le Wydad et puis l'Étoile Sportive du Sahel et puis Alali qui a battu donc les Mamelodi Sundowns par le score de 2-0. Je rappelle également que depuis le vendredi, il y a eu donc la victoire du Zamalek sur l'Espérance sportive de Tunis. Et puis, l'autre victoire, c'est bien celle du Raja Casablanca sur le tout-puissant Mazembe, 2-0. Voilà, en gros, l'actualité sur le continent africain. Ça me permet d'installer pour vous, très chers amis téléspectateurs, Sylvanus Onufodi, qui est avec moi dans ce studio. Sylvanus, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs. Vous êtes footballeur béninois. Vous évoluez au Brésil depuis 5 ans, donc depuis 2015, c'est ça, hein? Vous évoluez dans le club commercial Ribeirão Preto, c'est un club de Détroit. Oui. Comment ça se passe là-bas? Oui, ça se passe très bien parce qu'on vient à peine de terminer la saison. Donc, ah ouais? C'est déjà terminé là? Oui, c'est déjà terminé. Donc on reprend d'ici un mois. D'ici un mois. Donc j'ai fait un tour ici pour passer un peu du temps avec la famille. Avec la famille. La famille, elle est ici. Vous êtes au Brésil pour raison désormais professionnelle. C'est bien ça, hein? Bien sûr. Votre poste de prédilection, vous êtes attaquant excentré. Comment ça se passe la vie dans le club dans lequel vous vous retrouvez là-bas? Oui, la vie dans le club que je me retrouve, ça se passe très bien, ouais. Même si ce n'est pas... Vous êtes combien d'Africains noirs avec votre non, club? Non, je pense que je suis le seul. Vous êtes le seul? Oui, je suis le seul Africain noir. Et l'intégration avec les autres joueurs, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais... C'est vrai qu'en termes de couleur de peau, ce n'est pas aussi trop criard, mais bon, n'empêche hein, qu'on vous identifie en tant que béninois, hein, c'est ça, hein? Oui. Parce que je pense que sur ce point, il n'y a pas trop de, ce que je peux dire, il n'y a pas trop de discrimination parce que le Brésil, c'est un mélange de races. Ouais, ce sont les parents qui sont aussi là-bas. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est un mélange de races. Donc, je pense que l'intégration, ça n'a pas été ça a été facile pour moi. Facile. Mais sur le terrain, avec un autre système de jeu, donc c'est un peu... Comment est-ce que Sylvanus s'est retrouvé au Brésil? Vous êtes parti comment? Ouais, en fait, je suis parti par le biais d'une connaissance à mon père, donc je jouais ici déjà et bon, je n'ai pas joué le championnat béninois, mais donc bon, je jouais très bien, donc il y avait eu une connaissance de mon père qui m'avait demandé si pourquoi pas je viens au Brésil pour faire une expérience, pour faire une formation, que j'avais les potentiels, j'avais le talent, que ça pourrait passer. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, et puis j'ai pris cette décision d'y aller. Vous avez gardé le contact avec, je dirais, les responsables du football béninois. Comment ça se passe? Parce que oui, vous êtes au Brésil aujourd'hui, vous faut, je dirais, vous affirmer avec votre club, mais en même temps, je dirais, avoir un retour au pays. Ou est-ce que vous ne pensez pas jouer pour le Bénin? Ça ne vous plaît pas? Bien sûr, ça c'est l'objectif principal en tant que joueur. Pour moi, ça serait une grande fierté pour moi de porter le maillot de l'équipe nationale, de défendre la couleur. Donc, sur ce point, pour l'instant, dans quelle catégorie? Nous avons la U23, nous avons la U20. Quel âge déjà pour ce Non, je suis déjà professionnel. Je suis déjà professionnel. Vous objectez la sélection nationale, la sélection Fanion, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est une grande opportunité. Donc, je veux approuver cette opportunité. Donc, seul pas le travail. Donc, je pense que tout d'abord, je lance déjà un appel parce que je suis prêt psychologiquement, mentalement. Donc,
ça serait une grande fierté pour moi de porter le maillot de l'équipe. Et quel regard jetez-vous sur ce qui se passe en ce moment au niveau du football béninois? Est-ce que vous êtes... l'environnement, il est bon? Oui, je pense que le football béninois, ça évolue très bien parce que comparativement les années précédentes et comparativement à ce qu'on a eu à faire à la CAN passée, je pense que l'équipe nationale du Bénin, ça a eu un grand progrès. Et vous repartez quand? C'est un mois de congé, c'est ça? Oui, donc je repars d'ici mi-mai ou fin mai et fin mars. La saison est terminée, vous avez dit. Oui, bien sûr. Le club, il évolue encore en D3, où est-ce que vous avez évolué? Ça va se passer. Vous évoluez la saison prochaine dans quel club? Vous êtes donc, D3, j'ai eu plusieurs propositions. Vous avez des opportunités? Oui, j'ai eu des opportunités. Donc, et je réfléchis par rapport à ces opportunités. Et opportunité pour la D2, D1, c'est ça? Toujours la D3? Non, c'est pour la D2. Pour la D2. Ouais. Vous montez d'un cran, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Un appel certainement à lancer, je dirais, à vos amis qui sont ici en ce moment. Et en même temps, vous ferez l'effort pour que les prochaines fois, on puisse avoir des vidéos de vous. Ça permettra aussi de gérer l'intégration avec, il allait dire, de maintenir le contact avec les sélections nationales. C'est bien ça, c'est très important. Hein. Oui, c'est très important. Ça ne va pas être aussi intéressant qu'on dise que, voilà, Sylvanus, on vous dit, évolue en D3 prochainement, là, en D2 du côté du Brésil, et qu'on n'ait pas des bouts de match, des prestations de Sylvanus. Tu crois que le frère aîné qui est avec vous, qui vous a conduit dans le Côte d'Ivoire 3 Bénin, saura vous aider avoir, je dirais, des bouts de match de vous, histoire, je dirais, de garder les relations avec la sélection nationale. C'est bien ça. Il faut y penser, hein. c'est très important. Parce que c'est principal pour moi, parce que c'est un matériel de travail. Donc, je pense que ça, c'est primordial en tant que joueur. En tant que joueur. Ouais. Voilà. Sylvanus, une fois dit, merci d'être passé. Merci beaucoup. Bon congé à Cotonou. Merci. Et bon retour du côté du Brésil. Renvoie-nous de très belles images de vous pour qu'enfin, on puisse, je dirais, mettre des projecteurs sur ce que Sylvanus se fait du côté du Brésil. Vous restez avec moi, le temps pour moi de changer de discipline hein, pour parler des rencontres disputées ce week-end comme temps pour la 4e journée de la Super League. On parle de basketball. Au niveau des hommes, quelques résultats que nous allons proposer aux amis téléspectateurs. Elan qui bat Aspac par le score de 75 à 50, il y a Spal qui a pris le dessus sur Espoir, 73 à 69. Intéressant donc comme résultat, c'est au niveau des hommes. Et puis au niveau des dames, on va faire constater que Aspal a affronté Énergie et que c'est Énergie qui a corrigé donc Aspal par le score de 98 à 34. C'est important comme résultat. De toute façon, c'était presque évident puisque Énergie reste un club, je dirais, de grosse expérience au niveau donc du basketball et notamment la Super League qui se poursuit, qui en était à sa 4e journée donc ce week-end. J'installe laborieusement le président du Comité national olympique et sportif du Bénin, Julien Menavoa. J'espère que il est bien installé, c'est pas trop confortable. C'est bon, ça peut aller? C'est très bon. Très bon. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes le patron du Comité national olympique et sportif du Bénin. Deux grosses activités, je dirais, ces dernières 48 heures à mettre à votre actif. Je dirais, c'est d'abord une restitution d'une étude commanditée. C'est un diagnostic vital sur la vie des fédérations. Nous en avons 28 qui sont membres du Comité national olympique et sportif du Bénin. Ça a été fait. Puis 24 heures après, eh bien, vous avez fait, je dirais, un point d'étape des activités menées par le comité à l'occasion de la première année, puisque eh bien, vous avez beaucoup d'activités dans le viseur pour le compte de 2020. On va y aller pas à pas. D'abord, ce qui motive, je dirais, M. Julien Menavoa, une étude commanditée pour connaître de la santé des fédérations béninoises, les 28 qui sont membres du Comité national olympique et sportif du Bénin. D'abord, je me permets de saluer la proactivité de Canal 3 pour avoir... disons, gammer le pion à toutes les autres chaînes. Oula. En essayant de me retrouver pour me questionner en direct sur ces deux activités. Et ça, je vous en félicite et je vous en remercie. Du point de vue de la motivation, vous étiez au départ, c'est-à-dire vous m'avez vu naître en tant que président du Comité national olympique et vous vous souvenez certainement que depuis 2013, cette activité faisait partie de mes ambitions. Je tenais à ce qu'il y ait une hiérarchisation
Mais pas une hiérarchisation à la FIFA ou FIFA Coca-Cola, on vous liste les pays selon un ordre donné, ouais. Mais qui sert juste à dire tel est en avance sur tel autre. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de mettre en place un outil d'évaluation qui permette de faire de vrais diagnostics. Et c'est ce à quoi nous avons essayé d'aboutir. Ouais. Et quand vous l'avez fait, vous avez, je dirais, selon des critères bien déterminés, et puisqu'un jury est descendu sur le terrain et a fait le travail, vous avez fini par, je dirais, nous identifier, je dirais, quoi, trois pôles, trois postures. Et je retiens de votre intervention, puisque j'ai la chance d'avoir suivi, je dirais, les échos sonores et en images donc, de cette activité, vous nous faites constater que désormais nous avons, au regard de ce qui a été fait, trois postures. Une posture de très bonne fédération, une posture des fédérations médianes et une posture également, je dirais, médiane, mais menacée de déclassement au cas où on ne prend pas de disposition pour. Et puis enfin, il y a une autre posture de ceux-là qui sont aux portes, je dirais, de la médiocrité, donc de la mauvaise posture. Il y a également la mauvaise posture en elle-même. Et puis enfin, je dirais, ceux-là qu'on peut classer, je dirais, de l'antenne, pas forcément rouge, mais totalement rouge, pour ce qui a été fait au niveau donc, de ces 28 fédérations. En gros, je dirais, c'est des critères bien déterminés et qui sonnent, je dirais, le réveil des fédérations qui doivent, je dirais, rentrer dans les rangs pour éviter qu'on ait à traîner les pas parce que ce n'est pas intéressant que le mouvement sportif soit à la traîne. Vraiment, je continue toujours de vous féliciter, M. Hakimé, parce que là, sans avoir été dans la salle ce jour, et vraiment, vous vous êtes renseigné et vous avez cherché à avoir confirmation. Effectivement, au terme du travail établi laborieusement par un jury mis en place qui a travaillé sur trois mois. Et ce jury, ce n'est pas de n'importe qui l'ont constitué. On a fini par poser le diagnostic. Le diagnostic, pour être posé, c'est sur la base d'un outil mis en place par le Comité national olympique qu'on appelle assiette fédérale identitaire, auquel il faut pouvoir satisfaire. Et toutes les 26 fédérations ont été invitées à justifier de ce que chacune d'elles a fait par rapport à l'assiette fédérale identitaire. C'est donc ce qui a abouti à catégoriser les fédérations en trois grandes postures. Il y a celle qui devrait rester de la bonne posture. Et si vous n'êtes pas de la bonne posture, la posture intermédiaire s'appelle la posture médiane. Et si vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes à la mauvaise posture. Exactement. Vous comprenez que pour être à la bonne posture, il faut avoir la note au moins de 13 sur 20. Alors, malheureusement, aucune de nos fédérations n'a été à ce niveau. Et si vous voulez, si vous êtes, faut que vous soyez classé dans la posture médiane, il faut rester sans atteindre 13, c'est-à-dire 12 forts, et que vous arrivez jusqu'à 10. Ceux-là sont dans la posture médiane, mais tous ceux qui sont en dessous de 10 ont des choses à revoir. Même ceux qui sont à la posture médiane ont des choses à revoir. Donc voilà comment c'est classé. Mais j'insiste pour dire que ce n'est pas pour dire... Pour stigmatiser les fédérations. Ce n'est surtout pas ça. Ce n'est surtout pas pour stigmatiser les fédérations. Et les fédérations, peut-être qu'un autre travail vous attend, il va falloir les recevoir, par tirage au sort, pour savoir l'appréciation qu'elles-mêmes ont eue de cet outil. On n'aura pas besoin de tirage au sort, on va partir à la régie pour entendre quelques membres qui étaient présents à l'occasion, je dirais, de cette session de restitution. Ce sont, entre autres, présidents de fédération, membres de fédération. Ils nous disent un peu, hein, je dirais, l'aperçu qu'ils ont donc de cette session de restitution. On va les entendre, on revient juste après pour poursuivre avec vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je crois que le comité olympique, en initiant donc cette évaluation, est venu nous apporter un coup de main. On était un peu trop laissé à nous-mêmes dans la gestion et pratiquement on n'avait pas de repères en tant que tel. N'eût été le centre de responsabilité donc de certains
au niveau des fédérations, je crois que le résultat serait plus catastrophique. Mais heureusement que nous avons désormais des repères et qui nous permettraient, n'est-ce pas, d'améliorer la gestion de nos fédérations. Je remercie le président Mina Voye et toute son équipe d'avoir commandité ce travail qui a révélé l'état que comportent toutes les fédérations béninoises, en particulier la mienne. Et notre fédération n'a que 6 ans d'âge. Et si nous pouvons nous comparer à d'autres qui sont là depuis près de 30 ans, 40 ans, c'est que nous pouvons nous féliciter que nous avons au moins quelques points de mieux que d'autres. Mais comme la totalité a des lacunes, c'est que rien n'est bon. Maintenant, les résultats, comprenez-vous, c'est les résultats du mouvement sportif. On ne saurait dire que c'est les résultats des présidents actuels. Quand on ne commence pas à personnaliser comme ça, ça peut déjà poser problème. Et les résultats, c'est les résultats du système. Tout n'est pas de la responsabilité des présidents ou des bureaux actuels. C'est un ensemble de choses dont notre pays a besoin pour mieux figurer donc, au niveau du mouvement sportif international. En fait, nous devons cesser d'avoir donc, des résultats conjoncturels donc, et avoir des résultats systémiques. C'est lié au système. Vous avez entendu donc quelques membres qui étaient à votre session de restitution, Monsieur le Président. Oui, je les remercie pour cette bonne compréhension que chacun de ces présidents a eu du travail qui a été fait. Il ne s'agit pas ici non seulement de chercher à stigmatiser chaque fédération pour le résultat auquel elle a abouti, mais le système mis en place est tel que au lieu qu'on voit seulement les fédérations, il faut qu'on voit tout le système. Parce que là, le comité olympique doit se rapprocher du ministère, du ministre, pour lui faire le retour afin que des échanges puissent permettre de redécoller. Parce que aujourd'hui, chaque fédération est en mesure de connaître quelles sont ses lacunes et quelles sont ses forces. Et ce que nous recherchons au niveau du comité olympique, ce n'est pas les résultats d'aujourd'hui. C'est que c'est à partir des résultats d'aujourd'hui que nous pourrons nous assurer que vous êtes président de fédération, vous êtes à tel niveau aujourd'hui, voici vos lacunes dans l'assiette fédérale identitaire. Sur cette base, à quel niveau voudriez-vous être à la saison prochaine. À la saison prochaine, l'évaluation va se reprendre parce que personne ne sera meilleur éternellement. Exactement. Donc, à la saison prochaine, on fera l'évaluation et on verra bien si entre-temps ça impacte le comportement de la gestion de la fédération. Et ce sera comme ça, c'est-à-dire c'est un système qui est mis en place pour de la durabilité, pour avoir des résultats vraiment durable. Exactement. Et c'est beaucoup plus, je dirais, c'est une activité qui va être une activité pérenne, mais vous l'inscrivez aussi dans le cadre, je dirais, d'un gala des fédérations. Justement, le gala est un prétexte en réalité, parce que l'assiette fédérale identitaire est un instrument que nous avons concocté de par tout ce que nous avons accumulé comme bagage, tant intellectuel que expérience. Et qui n'est pas une duplication de n'importe quel système, vous le savez, c'est unique au Bénin. Et nous sommes même en train de le digitaliser. Le même contrôle sera fait l'année prochaine, mais sur la base de la digitalisation, ce sera fait par les fédérations elles-mêmes. Et je rappelle qu'à l'occasion de cette session de restitution, vous y êtes allé aussi avec, je dirais, de la méthode parce que vous avez profité pour inviter à cette session de restitution le directeur de l'ENIGEPS parce que là également, il y a de la matière à mettre à disposition de notre fédération. Voilà. C'est aussi notre ingéniosité à mettre à l'actif de votre comité. Merci beaucoup parce que là, le directeur de l'ENIGEPS lui-même était fou de joie de rencontrer de telles disponibilités. Et
Vous savez, il y avait un genre de distance entre les fédérations et l'INJEPS, entre l'INJEPS et le ministère, alors que l'INJEPS est un institut, l'INJEPS est un creuset qui devait profiter à tout le monde. Donc, cette soirée, cette journée du samedi a été vraiment une journée laborieuse et fructueuse pour tout le système sportif national. Deuxième activité, ça va faire un peu narcissique, mais je sais que vous n'aimez pas trop, mais on va y aller puisqu'il a été question de l'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif du Bénin. Vous avez, je dirais, fait un point. Vous avez évalué le chemin parcouru avec les membres donc, de ce comité et au même moment, vous avez projeté l'avenir puisque vous avez bien des chantiers que vous ouvrez pour le COM de 2020. Parlons beaucoup plus des chantiers parce que quand ils rentrent dans les bilans, vous me direz que ce n'est pas l'exercice que vous devriez faire, ce sont les autres qui doivent faire cet exercice. Mais en termes d'activité que vous projetez pour 2020, Monsieur le Président, quels sont les gros rendez-vous à prendre avec vous? Deux gros rendez-vous. Le premier, c'est les Jeux Olympiques. Exactement. Subdivisé en deux, les préparations et puis la participation. Ouais. Préparation, nous l'avons commencé depuis 2017, vous le savez très bien, avec l'octroi des bourses olympiques. Mais je vous assure, j'insisterai là-dessus, les bourses olympiques à elles seules ne suffisent pas pour que nos athlètes puissent se maintenir au haut niveau. Il faut absolument qu'il y ait non seulement l'appui de l'État, mais qu'il y ait également des sponsors. C'est heureux. Il y a la FIFA ou bien, non pas la FIFA, la Béninoise, qui la Sobebra, voilà, qui aurait, disons, pris en charge et Noélie Arrigo, par exemple, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait que tous les autres aussi, qui sont en bonne posture, identifient certains talents. Voilà, pour que nous cessons, que notre pays cesse d'aller aux Jeux Olympiques. Nous avons des chances de médailles, désormais, avec des athlètes qui performent. C'est possible que nous ayons des chances de médailles. Mais ce qui est rassurant aujourd'hui, le Bénin n'ira plus aux Jeux Olympiques exclusivement sur la base de l'universalité. Ça, c'est déjà acquis. Et là, vraiment, c'est déjà une très bonne avancée. Deuxième grand chantier, oui, c'est que désormais, si vous vous souvenez, en 2013, quand je venais aux affaires, j'ai dit qu'on doit sortir le comité olympique de l'enceinte qui ne fait pas du tout honneur. Et dans un premier temps, le PAG nous a contraints à nous évader de là pour aller nous installer dans la haie vive. Ouais. Mais désormais, nous disposons d'un vaste domaine de 2 hectares grâce à la générosité du conseil communal de Misrété. Et aujourd'hui, les études architecturales sont là. Nous avons pu projeter à l'Assemblée générale le modèle de centre olympique que nous désirons mettre en place. Et le financement, vous l'aurez comment? Voilà, le financement. J'avais pensé que je pourrais toujours continuer de m'appuyer sur les financements du CIO, mais il m'a été catégoriquement... Cette ligne budgétaire, ça n'existe plus. Non. J'ai la chance que depuis 2019, l'État met quand même une subvention substantielle à la disposition du comité olympique. Et nous devons, absolument l'orienter vers l'édification de ce centre-là. Et s'il plaît à Dieu, je crois que nous avancerons. Et les appréciations sont venues de part et d'autre à l'occasion de cette Assemblée générale ordinaire. J'ai entendu le président de la Fédération Bénoise d'athlétisme qui a donné des orientations en termes, je dirais, de l'utilisation, j'allais dire, de la présentation, de la gestion des finances mises à disposition. On a également entendu le président de la Fédération de golf qui a donné aussi des orientations. C'était enrichissant, les échanges, à l'occasion de cette Assemblée générale. Ah, bien sûr. J'ai une Assemblée générale formidable. Ce n'est pas une Assemblée générale de Godio. Ah, qui vous caresse dans le sens. Non, pas du tout. Ils vous disent tout ce qui ne leur plaise pas. En même temps. Et ensemble, nous cherchons les solutions.
Je vous ai bien constaté, à moins que vous me démentiez sur le plateau, qu'il y a une grosse entente désormais entre le Comité national olympique et puis le ministère des Sports, puisque à chaque occasion, il y a le directeur des Sports de l'élite hein, qui répond aux côtés du comité. Ça, c'est connu de tout le monde maintenant. C'est connu de tout le monde. Il y a un parfait amour qui s'exerce entre le ministre et le président du Comité olympique. Donc, du coup, entre le ministère des Sports et le Comité olympique. Ça, vraiment, je remercie l'Éternel qu'il en soit ainsi, parce que ce n'est pas souvent facile non plus. Voilà. Et la dernière question, c'est, vous avez même dit, au regard donc, de ce qui a été fait en termes donc, de restitution, je dirais, sur les grandes tendances, issues des travaux de votre jury, pour le compte, je dirais, de l'assiette fédérale identitaire, qu'est-ce que vous attendez en termes de comportement de vos fédérations, qui sont les membres de l'institut? Non, en termes de comportement, ce que j'attends, c'est la résilience. C'est surtout pour ça que nous avons conduit l'évaluation. Je disais tantôt que ce n'est pas les résultats d'aujourd'hui qui nous intéressent, mais après ces résultats, à partir de ces résultats, à la saison prochaine, comment est-ce que chaque fédération a pu réagir pour remonter la pente? C'est ça, c'est à ça que je m'attends. Et pour que je sois vraiment satisfait, ce serait à la saison prochaine. Julien Manet, voir votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est une fois encore de vous remercier de m'avoir pris au vif, parce que vous m'avez invité à un moment où je ne m'y attendais pas du tout. Vos invitations, vraiment, sont rares. Ah bon? Oui, en tout cas, moi, je viens très rarement ici. Oui. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié la spontanéité avec laquelle vous m'avez invité pour venir dire à tous vos téléspectateurs le contexte dans lequel l'évaluation est faite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Julien Menavoa, président du Comité national olympique et sportif du Bénin. Merci d'être passé dans notre studio. Et comme vous le faites constater, vous serez les bienvenus toutes les fois aux possibilités si propose, bien entendu. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, mesdames, messieurs, puisque eh bien, nous sommes à la croisée des chemins. C'est terminé. Tout le monde descend. Le numéro, le premier du mois de mars de votre émission Canal Sport est pratiquement donc à la fin. On va vous remercier de nous avoir été fidèles sans au passage quitter le studio, sans passer donc, je dirais, les remerciements à toute l'équipe qui nous accompagne tous les lundis. C'est bien sûr Augustin Vidécon qui assure la réalisation, n'est pas le seul. Francis Kokou se bat pour vous permettre de nous entendre, c'est lui qui est au son. Eder Hounpevi est à la caméra. La régie, ou que dis-je, la diffusion est assurée par Modeste d'Oliveira, puisque c'est lui qui est avec nous désormais tous les lundis. Et puis il y a une grosse équipe derrière Augustin Vidécon qui assure le bout de tambour pour vous et pour nous, donc je dirais, cette émission sportive. Et le grand architecte de cette émission, c'est bien Ali Moumouni. Merci à chacun et à tous d'avoir été de notre part. On se donne rendez-vous lundi prochain, sportivement votre.